Bonjour tout à tous, amis, c'est Gaël Toulon. J'espère que vous êtes en super forme pour ça. Super, les copains, on va partir en duo survivant avec mon petit Edgar Oroki, le plus beau skin de la mise à jour. Clairement, ce skin est vraiment exceptionnel. On va essayer de commencer à amorcer le rush vers le rang 35. Ouais, on est loin du compte, les gars. Clairement, ça me démotive. Ça me démotive de rien que d'y penser parce que quand je pense au matchmaking qu'on va se taper et tout, j'ai un petit peu des sueurs. Mais c'est pas grave, les gars, vous allez m'encourager. Vous avez été nombreux à me dire quand j'ai acheté le skin d'essayer de le monter en 35. Je vais pas vous mentir, les gars, j'ai essayé de monter le Léon pendant 3 heures hier soir, j'ai pas réussi. J'ai même pas réussi, on est monté à 1034 et je l'ai dérush derrière à 1014. Donc on va essayer de faire le Edgar sur la map ruine. J'espère en tout cas que vous exploserez les pouces bleus cette vidéo, les gars. J'essaie de vous monter à nouveau en 35, les gars, je me donne du mal, mais c'est plus dur que prévu. C'est plus dur que prévu, le Grom c'était... assez facile à monter, là ça c'est compliqué, ouais les frérots, je suis en PLS, le code Gali, j'espère qu'il est activé, vous êtes toutes et tous abonnés, et nous on part directement en game. Alors le problème qu'il y a, c'est que le matchmaking il est insupportable, alors il suffit que je dise ça pour qu'on lance à 9 sur 10, mais sinon dans l'ensemble c'est très très long. Allez 10 sur 10 les copains, en espérant réussir à charger un ulti rapido. Ok, on a un spawn qui est pas mal, je vais aller taper directement à gauche moi. Les gars, pourvu que ça se passe bien, je suis un peu stressé là. C'est vrai que c'est toujours un stress particulier de monter des brawlers aussi haut, enfin d'essayer en tout cas. Ok, il y a une caisse par là, on va essayer de la prendre. Ah, attends, il sait pas que je suis là. Il sait pas que je suis là, les frérots, lui. Ok, ça c'est cadeau. Cadeau de bienvenue, ça, les frérots. Ça c'est cadeau de bienvenue. J'ai mon ulti, j'ai mes 3 boucliers, il y a un gros malheureusement, ça c'est pas terrible. Je peux le push, mais je suis pas sûr. Ah non, Saphir, viens pas vers moi, frérot, par contre, m'attire pas, les frérots. Ok, ça meurt. Le spike, en vrai, je vais pas le push, mais c'est pas grave. On a cette caisse. Je vais recharger un ulti. Saphir, il veut push l'autre, mais en vrai, moi, le spike, je crains beaucoup parce que forcément, corps à corps, spike. Hein. Je vais pas vous faire un dessin, les frérots. Vous savez très bien que ça pique. On a encore 5 dans la game. On est en TV Royale, les gars. Vous vous rappelez la TV Royale de Clash Royale, les frérots, les anciens. Est-ce que vous connaissez ça? Sur Brawl Stars, c'est un peu moins... C'est un peu moins la réputation, c'est un peu moins coté, mais sur Clash Royale, t'étais en TV Royale. C'était la grosse classe. Alors, Saphir, je sais pas où il est parti, le frérot. Il y a le Brock que j'avais tué qui apparemment s'est fait retuer. Moi j'ai un ulti, j'ai des gadgets, on est pas mal. Je vois aucune activité autour de moi. Pourtant cette caisse, je suis pas mal. Alors moi malheureusement, ça va être que ça, hein, la vidéo, les frères. Hein. Ça va être position d'attente et... Je peux faire le fou par là. Il y a des mecs à droite, vous l'avez vu le spike en bas à droite? Je peux les tenter, mais je sais pas si c'est bien. Saphir, il est chaud. Saphir, il est chaud. En bas à droite, j'y vais les frérots ou pas? J'y vais. J'ai compris que vous étiez impatient. Je recharge ulti et on va essayer de faire un fight final. On a 11 caisses. Encouragez-nous, les gars. Encouragez-nous. Il y a un cousin à moi, là. Ok, mort. Oh, le carnage qu'on leur met, là. Il a encore un TP, tu penses, lui? Non. Ok. Oh, une promenade de santé. Une simple formalité, quoi. Employez le terme que vous voulez. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. On a 1005 trophées. Non, clairement, on est loin du compte. On est loin du compte. J'aimerais vous dire, on est à la moitié, comme j'avais fait avec Grom, quand on était à 1100, 1125. J'avais dit, voilà, on a 1125, les gars. On est à la moitié du rang 35. Là, on est tellement loin. Vous imaginez, c'est plus 4, plus 5, hein. Franchement les gars, j'ai la détermination, la motivation pour le faire, mais c'est juste que c'est ce matchmaking là. Faudrait presque que je vous en laisse un de matchmaking en entier pour que vous puissiez voir la pénibilité du truc quoi. Faut faire autre chose à côté en fait, quand t'attends... Enfin si le mec qui veut jouer comme moi, qui est impatient, en un quart d'heure tu fais deux parties. Et le problème c'est que... moins 10, moins 12 quoi, donc dès que tu perds, ça pique vraiment fort, donc... C'est un peu ça qui est compliqué, même sans perdre, déjà que c'est long, si on commence à perdre... Dites-vous qu'avec Grom, on a fait un quasi tout droit, et pourtant on en a passé des heures, hein. Alors le mec qui commence à win-lose, le pauvre, ça doit être vraiment long. Allez copains, 10 sur 10, on spawn où? Ok, on est en bas, moi je vais aller directement sur la gauche. Voir un petit peu ce que ça va donner... Et je vais farmer celle-là. Tac. Je vais laisser le frérot la prendre. Ok, en bas à gauche, est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Purée, la poisse. La grosse, grosse poisse. C'est dommage, il peut y en avoir. Les gars, je le répète à chaque fois dans mes vidéos, jusqu'à 4. Jusqu'à 4, les frérots de caisse. Est-ce que vous voulez qu'on tente un piège pour le Grom, là, ou pas? C'est un peu deb, ce que je fais, là, non? C'est un peu deb ou c'est bien? C'est un peu naze. Je pense que c'est un peu naze. Clairement, c'est un peu naze. Franchement, je vais essayer d'avancer par là.
pense pas qu'il me voit. Enfin, il me voit pas, c'est sûr, dans sa toile, hein, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que je sais pas où il est en fait. Ok, il est plus haut, on l'a vu. Ok, il est mort. Ok, nickel. Pour l'instant, ça passe bien. Lui, il sait que je suis là. Saphir, il tente une dinguerie, Saphir. Franchement, je suis pas hyper fan de la tourelle de Saphir. Je préfère le gadget, l'espèce d'hologramme, là. Parce que pour le coup, ce qui m'énerve, c'est qu'on se fait repérer. J'aime pas vraiment être repéré. Parce que du coup, on peut moins surprendre les mecs. Il y a le Grom là-haut. J'ai envie de le push. J'ai envie de le push, les frérots. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de tenter de le push? Ah, ils savent que je suis là. Et ouais, ils me voient. C'est compliqué, les frérots. Je sais pas trop dans quelle direction partir. Ce qui est cool, c'est que j'ai le gadget et j'ai le saut. Donc normalement, on est pas mal. C'est beaucoup une vidéo d'attente, hein. Je suis désolé, je... Ok, alors le Surge 6, là. Je peux le prendre, hein, mais il va se TP, hein, c'est sûr. C'est sûr qu'il va se TP. Ok, on n'a pas le choix. S'il se gadget sur moi, je mets les gadgets aussi. Je suis concentré, c'est un délire. Je suis concentré comme un ouf. Est-ce que je tente le push du haut ou pas, les frérots? Ok. C'est très mal joué de ma part. Je suis hyper difficile avec moi-même en vérité, je pense que c'est pas si mal joué que ça. Voilà. Autant s'envoyer des fleurs, les nains, autant s'envoyer des fleurs, les gars. Si je ne crois pas en moi, qui va croire en moi? Je trouve que les games, pour l'instant, on n'a rien fait. On a 1010, les gars, je m'attribue pas un mérite particulier. Mais je trouve que pour l'instant, on est dans la qualité. On est en train de se donner du mal. On est 12ème FR. Ouais, et ben mon petit Snix, frérot, on arrive, on va te prendre ta place. Je te le dis de suite, frérot, ne crois pas que c'est... J'espère en tout cas, les copains, que vous avez... Tous rentrer le code Gaël, hein, ceux qui ont acheté le skin, celui-là, je sais que vous êtes nombreux à l'avoir acheté, c'est un des skins qui a le plus sur la, bah, la dernière mise à jour. J'espère, les copains, que vous m'avez fait briller ce code Gaël. Moi, je vais essayer de vous chercher le rang 31, alors je sais pas vraiment combien d'épisodes on va faire, enfin, combien de temps va durer cet épisode-là déjà, et combien de fois va falloir le faire, parce que si je vous filme toutes les games, vous avez vu, c'est quand même à peu près 3 minutes par game, le matchmaking, j'essaie de vous le cut le plus possible. Mais je peux pas faire 25 games en... Voilà. Ou alors on fait un maxi épisode. Comme le dernier épisode, on a monté le Grom en 35, un épisode de 35 minutes. Ça pourrait être une solution, mais... je sais pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, en tout cas. Est-ce qu'il y a des mecs qui ont le Edgar plus haut que le mien? Franchement, ne m'escroquez pas, les gars. Est-ce qu'il y a des mecs qui sont à plus de 1000 trophées sur l'Edgar? Et si oui, je vous oblige à me donner la map sur laquelle vous l'avez rush. Quelle est la meilleure map de survivant pour Edgar? Sincèrement, les gars, c'est la question que je vous pose. Moi, je l'adorais sur la caverne. Mais hormis la caverne, sur quelle map vous le jouez? Voilà. S'il y en a un qui est capable de me répondre, s'il y a un pro player du duo qui regarde les vidéos, les gars, ça m'intéresse. Je passe un appel. Allez, 10 sur 10, les gars, la troisième partie. Oh, ça m'a mis 10 sur 10 et 9 sur 10. Il y a un mec qui arrache kit direct. Oh, c'est une blague ou quoi, les gars? J'en peux plus. Je vais me faire une sieste. 8 sur 10. Oh, le karma qu'on se prend. Le karma du matchmaking, les gars. Ça, vous l'avez jamais connu, ça. C'est-à-dire, si tu crois que ça va lancer, ça lance pas. Allez, le jeu, tu peux le faire, frérot. Fais-moi spawn en bas, ça nous a bien réussi pour l'instant. Quand on réussit à prendre des caisses, ce serait cool. Allez, c'est bon. Alors, ça spawn où? Ça spawn en haut. J'aime pas du tout ça, les gars. Il y a directement la team à gauche qui vient sur nous. Je suis pas fan, je suis vraiment pas fan. Moi, j'ai pas d'ulti au début. Saphir, je peux pas l'aider là. Je pense qu'il a pris la caisse, ok, GG à lui. Ouah, les gars. Oh, bon. Le Mortis, il a été gentil. Il a vraiment été gentil avec moi. Vous pensez qu'à son mate, là? Non. Il sortait d'où? Ok, il y a un cousin à moi, Edgar, à gauche. Un Surge. Le Mortis à droite. Je vais bientôt avoir un ulti. Le problème, c'est que le Mortis, il va se barrer. Pas évident à push. Saphir au mid, il veut faire une dinguerie, là. Oh, il y a un Edgar à 7, les gars, vous l'avez vu. J'ai toujours le Mortis dans le bac, hein, on est d'accord? Il est où le Mortis, les frérots? Je suis gaga ou quoi? Il n'y a pas le Mortis, enfin, c'est pas grave, on s'en fout. Ok, les top 4, Saphir, il veut que je me mette par là. Il y a le Edgar en face, 7 caisses. Oh là là, la Shelly. Saphir, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est fou, ce mec. Est-ce que je le push, le Edgar, en bas? 10 caisses, mauvaise idée, non? Non mais dégage, frérot, dégage. J'ai pas envie de le push, là, c'est pas eux que j'ai envie de push, en vrai. C'est vraiment pas eux que j'ai envie de push. Si
S'il va avoir l'ulti, il va me sauter dessus, c'est quasi sûr. Quasi sûr. Va falloir que je saute ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais j'ai pas envie, frérot. T'as 11 caisses, dégage! 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 Qu'est-ce que je fais? Waouh! Les copains, les copains, les copains, les copains. J'ai sauté sur la chenille, purée. J'avais même pas activé le gadget. Ça saoule, ça saoule, ça saoule. Est-ce qu'il me fait respawn, frérot? Est-ce qu'il me fait respawn? Est-ce qu'on peut faire un top 2 d'escroc? Clairement, la game, celle-là, elle est vraiment très, très compliquée. Saphir, il gère superbement bien. Ah, le truc, c'est que qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Ah, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, frérot? Ça rend fou, ça rend fou, ça rend fou, ça rend fou. Y a tout qui va pas. Y a tout qui va pas dans cette game, les gars. Y a rien qui va. J'aurais pu tenter de push le Edgar, mais cette popo, c'était trop risqué. J'aurais dû tenter. Parce qu'au final, je perds. J'aurais dû tenter. J'ai été trop fébrile et honnêtement, je m'en veux. Mais Saphir, il était pas dans le même buisson que moi. Je pense pas qu'il aurait pu m'appuyer avec des tirs. Je le sentais pas, les gars. Des fois, on sent pas le truc. Car le problème, c'est que c'est pas de faire top 3. Top 3, c'est pas un mauvais résultat. Ça devient un mauvais résultat quand vous faites du moins 4, quoi. Parce qu'au-dessus de 1000, c'est moins 4 top 3. C'est ça qui saoule. Parce que la game, on aurait pu top 2 aussi. Hein. Il les tue pas en haut à gauche. En même temps, Shelly, je ne veux pas de pas la tuer. Shelly, c'est quand même hyper relou. Allez, les gars. Allez, on va essayer de se reprendre. On va essayer de mettre une game de qualité. Purée, c'est quoi ces spawns pourris, les gars? Pourquoi ils nous filent des spawns éclatés comme ça? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec des spawns comme ça, frérot? On a besoin de spawns blindés en caisse, nous. Alors, on a deux. Il y a un Grom à droite, ça c'est plutôt pas mal. Moi, je peux les counter assez facilement, les Groms. Il y a un Buzz au mid, ça c'est pas foufou. Il y a un Surge par là. Alors, tant que j'ai pas l'ulti, on s'est compris, là, les gars. On s'est compris. Attends. Oh, il y a un Tick, ça par contre, c'est pas un bon bail. Ça, clairement, c'est pas un bon bail, même si je peux le push. Je vais tenter un coup de poker. Je pense que Saphir il est planqué là, les gars. Je vais devoir prendre des risques en vrai. Faut pas que je retombe dans le travers de tout à l'heure. Oh, purée, les gars. La position d'attente, il y a un Dina en bas. Je vais le tenter ou pas? Le Dina il a qu'un surge en bas, les frères. Je suis tendu et tout. Ouais. Je me stresse et tout. Faut que j'arrête les. Enfin, je vais essayer vraiment de push le Dina en bas, les frérots. Le Dina, je peux pas. Il est parti à droite. Ok, ça meurt, ça meurt, ça meurt, ça meurt. Ok, on a pris deux caisses. On a pris deux caisses. Saphir, faut qu'il m'aide là. Hein. Non, mais aide-moi, frérot, il me fait des bisous. Je te kiffe, frérot, mais non, 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 j'ai besoin de toi là. Moi, j'ai besoin de toi pour jouer là. Mon petit Saphir là, faut qu'il tente des trucs parce que s'il reste planqué, moi, je vais pas. Enfin, c'est pas. Voilà, moi, j'ai un brawler vraiment. Que je gère pas non plus, les gars, à la perfection. Hein. Il y a le Grom, il est tout seul, tu crois là? J'ai enfin un kill, je fais de mon mieux les frères, je fais vraiment de mon mieux, je suis en sur-régime là. 5S, Saphir il touche un peu les mecs ou pas? Ok, top 3, vas-y, mais attends, attends, c'est pas Aqua Fight. Oh, si j'avais eu un ulti, je les éclatais les gars. Mon dieu la chance qu'ils ont, mon dieu la chance qu'ils ont. Mon dieu la chance qu'ils ont. Ah, je vais mourir, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, on refait un 4, les gars. Mais je fais une bonne game en plus là. Non mais dites-moi sincèrement les gars, je m'en fous, faut pas me faire de la peine si vous voulez. Mais elle est pas mal cette game, non? Je dois pas leur sauter dessus, je dois attendre que. Qu'est-ce qu'on doit faire? Coachez-moi, je veux un coach en Edgar, les gars. Je sais qu'il y a moyen de le monter, ce brawler. Mais vous avez vu, c'est trop chaud, c'est trop chaud. Ça doit pas être la bonne map, je pense. Je pense que c'est pas la bonne map. Est-ce que la Billy 8 caisses, on peut. C'était plus facile de la push, vous pensez, la Billy 8 caisses? Je sais pas, à chaque fois j'hésite, moi je privilégie toujours bah, logique, hein, les compos qui ont moins de pots, logique. En plus je vois un Dynamec, Dynamec je l'ai soulevé, le problème c'est que forcément faire du 1v2, c'est pas évident. Eh 9 sur 10, allez le matchmaking là, s'il te plaît, là, fais-moi cadeau là. Fais-moi un cadeau là, sois plus rapide, sinon on va jamais s'en sortir. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Les gars, suppliez le matchmaking, s'il vous plaît. Pensez au matchmaking, demandez-lui d'être un petit peu plus favorable là. Allez, 10 sur 10, ok, allez, on se reprend, on se ressaisit, les gars, on arrête de pleurnicher, on a un spawn bien ou pas? On a un spawn correct, on a un spawn correct, les gars. C'est pas la folie, enfin, le spawn me plaît, mais c'est le nombre de caisses, hein, quand je dis le spawn, les gars. Je parle du nombre de caisses.
Il y a des mecs qui vont me dire, ouais, mais tu peux farmer les deux caisses en même temps aussi, t'es bête et tout. Les gars, c'est bon, les gars, c'est... Oh, il y a encore zéro caisse, là, pour de vrai. Ouais, ce qui est cool, c'est que s'il avait son hologramme, il pourrait l'envoyer Saphir, et du coup, on pourrait voir où il y a des mondes, où il y a du monde ou pas. Je sais pas si vous captez le délire. Style avant d'entrer dans les buissons de façon un peu suicidaire, on pourrait voir directement, suivant l'ombre où elle part, tu vous savez s'il y a personne ou pas. Alors, il y a le Spike là-haut, j'ai pas franchement envie de le push pour l'instant... Je t'en prends un peu, là. Phase d'observation. Début de game, phase d'observation. Saphir, il est tendu. Il a raison, il a raison. J'ai besoin de lui. Clairement, j'ai besoin qu'il me fasse des kills, le frérot. Faut qu'on fasse top 1, top 2, là. Au moins, un petit top 1 serait bienvenu, là. Faut que je fasse gaffe à pas faire un épisode trop long, les frérots. Je sais plus où on en est, là. J'ai pas fait gaffe. Mais je sais que ça doit commencer à faire peut-être, je sais pas, 15 minutes. Il y a le Spike au-dessus. Il y a une Tara, là. Pas l'ulti, c'est plutôt une bonne nouvelle. Saphir, il a tué. Le problème, c'est que la Tara, je peux pas lui sauter dessus si elle est avec le Spike, quoi. C'est ça le truc. Ah, j'ai fait de mon mieux, les frérots. J'ai fait de mon mieux, les frérots. Je peux pas faire mieux, là. Il y a la Tara en bas. Non. J'ai bientôt un ulti. Gael, il peut me repousser. Oh, il carry, là, Saphir. Allez, allez frérot, allez frérot! Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a pas tué? J'ai pas capté là, les frérot, j'ai pas capté le move là. J'ai pas du tout capté. Il a voulu troll, non mais moi là je troll pas du tout, là je joue ma vie. On est en top 3, j'ai pas encore le saut, tant que j'ai pas le saut, je suis pas bien. La bonne nouvelle c'est qu'il me reste deux gadgets. La bonne aussi c'est que Saphir doit pas être très loin de l'ulti à force de toucher comme ça. L'autre elle a 25 ombres. Ok, y a un gros fight, Oh là là, c'est Shelly. Je vais mourir, Putain, je suis focus de ouf, là. Ok, on est top 2, Oh, mais c'est... Oh, les gars, je transpire alors qu'on est à 1000, je sais pas combien, là. Je joue ma vie, on dirait. 1007 trophées, mon Dieu, mais quel stress. Le log d'attaque, il est génial, en plus, ce log d'attaque. Franchement, les gars, on a fait 3 top 1, 2 top 3. Vous imaginez, c'est stylé. On a commencé à 998. On est à 1007, les gars. Je sais pas si vous réalisez. On a fait 3 top 1, 2 top 3. Non, mais là, avouez que ça... C'est désespérant, non? C'est désespérant, les gars. Eh, 9 sur 10, tu peux le faire, Allez, match picking, tu peux te battre. Bon, les gars, on va se faire une... Je pense que ce sera la dernière. J'arrive au bout de ma patience, 10 sur 10. Ce sera la fin de l'épisode 1, les gars, et je pense que c'est l'épisode le plus pas claqué en temps de... en qualité de jeu, parce que je trouve que... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on joue bien. Mais c'est en nombre de trophées que c'est clacos. Alors, on a... 3 caisses. Est-ce qu'en bas à gauche, il y en a? S'il te plaît. Une. Ok. C'est pas fou, les gars, mais c'est correct. Ok. Alors. Oh, Mortis, comment tu vas, frérot? Ça va? Ok. Alors, lui, Mortis, je le crains pas, clairement. Il y a quoi à droite, les gars? C'est Stu, hein. C'est Stu, ok. Et ouais, le truc, c'est ça, c'est que je peux pas le push, ça. J'ai tenté, vraiment, pour essayer de faire le beau jeu sur la dernière game, mais... je ne peux pas le push. Il le sait, en plus, ce petit coquinou. Il le sait. Mon petit Saphir, il a fait un kill. Le problème, c'est que... Ouais, Saphir, il a bien joué, mais le problème, c'est que en début de game, comme ça, faire des kills, vous faites beaucoup, beaucoup voir, et du coup, derrière, il y a ce qu'on appelle le... C'est même pas un karma, c'est... Voilà, c'est la logique du jeu qui reprend ses droits. Attends, je vais faire respawn là, il y a le Stu juste là-bas, vous l'avez vu. Il y a le Stu qui est juste au-dessus, je crois. Le problème, c'est que Stu, je peux pas lui sauter dessus. J'espère juste que le Stu, il va se faire soulever, les gars, et qu'on va pas être en fight finale contre un Stu. Putain, il y en a à droite aussi. Waouh. Alors attends, avec quoi il est? Ah non, il y a que des Stu, c'est mon pire truc, les gars, Stu. Alors on est bon pour attendre, les gars. C'est une partie de cache-cache, voilà. Le logo Wi-Fi qui s'invite, il manquait plus que le logo Wi-Fi. Franchement, Saphir, là, par contre, c'est le cas de figure où vraiment j'aimerais qu'il prenne des risques. Parce qu'en fait, ça sert à rien qu'on soit cachés tous les deux, là.
Voilà, ok, il a capté. Putain, je vous jure, on n'est pas en vocal, mais il a lu dans mes pensées. Limite qu'il aille mourir ou qu'il charge un ulti, ce qu'il veut. Mais là, qu'on soit caché à deux, ça sert à rien. Je pense que ça va être un top 3, les gars. Je vous le dis, je pense que ça va être un top 3. Top 2, top 2, top 2, top 2, top 2. Oh, il a un ulti aussi, les gars, les gars, les gars, les gars! Ah dommage! Allez, Saphir, bats-toi! Ok, les gars, ça va, ça fait plaisir, on a fait un top 2, ça va, on limite un petit peu la casse, 1011, on finira par un top 2, cet épisode qui durera je sais pas combien de temps, et franchement, les copains, on est combien de chiens? On a rencontré des joueurs, oh ou pas, attends, c'est ça que je voulais checker. On a rencontré des mecs à 900. On n'a pas rencontré des mecs si haut que ça, hein. 940, ouais. Ouais, on n'a pas, franchement, c'est ça, c'est même pas que le matchmaking est dur ou pas, c'est qu'ils trouvent personne. Ah, attends, on va checker vite fait le Edgar, est-ce qu'on est top 10 ou pas? Top 10 ou pas, les gars? On est 12e encore? Oh non, purée. Vas-y, on s'en fait une dernière. La derte. En tout cas, les gars, pour tous ceux qui voudront monter leur Edgar, l'astuce que je peux vous donner, c'est vraiment quand vous utilisez le gadget qui est vraiment cheaté, faites qu'un kill. Vous partez sur un mec, vous faites le kill, vous partez. Ne cherchez pas à rush le deuxième qui très souvent va partir. C'est comme ça que vous faites tuer. J'ai longtemps fait l'erreur en voulant. D'ailleurs, tout à l'heure, l'erreur que je fais quand je shot sur le dynamite, c'est de vouloir retourner sur le surge alors que j'aurais dû tuer le Dina et partir. Et peut-être, enfin, j'ai pas vraiment pu, mais vous avez compris dans le délire ce que je veux dire. Cherchez pas à aller trop loin. Faut vraiment essayer de rester en vie, parce que vous pourrez très souvent faire un kill, mais les deux, c'est quasi impossible. Alors là, ils nous mettent le spawn éclaté, le plus nul du monde, parce que là, il n'y a qu'une caisse. Il y en a une deuxième par là. Ouais, je vais essayer de la farmer. Il y en a une au mid, les gars, vous voulez que j'attende ou pas? Franchement, Saphir, safe. Saphir, sois safe, mon frérot. Je prends des risques, là. Non, mais viens pas aimer au mid. Ok, ça permet de nous rendre compte que il n'y avait personne au mid, il y a un Surge Gale, Médor. Putain, je crois qu'on connaît plus les brawlers, les gars. La vieillesse, hein, c'est la vieillesse, les gars. C'est vraiment la vieillesse qui nous touche, hein, c'est malheureux. Alors, j'ai un ulti, là. Je le tente ou pas? Je le tente ou pas, le Médor, là? C'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible de le tenter, parce qu'il y a une team au-dessus. C'est pas terrible du tout de le tenter, ouais, c'est pas terrible. Je préfère mon côté de la map, il y a un Grom. Ok. Je préfère ce côté-là, il y a mon petit Grom. Cette caisse, les gars! Les frérots, cette game elle pue, je vous le dis de suite, cette game elle pue, ils ont 7 caisses en bas à gauche, je peux à la limite tenter de push. Franchement les gars, j'ai envie d'y aller mais il va revenir l'autre. Les frérots, là. Va falloir choisir ses fights, hein. Va falloir clairement choisir ses fights. Lui, le Médor, s'il peut mourir, j'ai pas envie de... Attends, vas-y, je le push juste pour passer en top 3. Je me suis douté qu'on allait passer en top 3, ok. C'est cool. Putain, faut que je rechoppe un saut rapide. Ok. Top 3, purée. On va se faire focus. On est en top 2. On est en top 2, les gars. On va passer 10ème FR. C'est la consécration, le plus beau jour de ma vie. Attends, on peut l'avoir lui. Il me faut un saut. Non, mais comment c'est possible de mourir là? Mais non, mais purée, il y a trop la place. Je sais qu'il y a qu'un trophée d'écart et tout, on s'en fout, mais non. Ah, ça m'énerve, on peut faire mieux, les gars. On est 10ème FR, voilà. Ok, on a rempli l'objectif. Rift, Alan, on arrive. T'inquiète pas, fais pas le malin, frérot. On te connaît pas, mais on arrive. En tout cas, voilà, bon, c'est pas incroyable, c'est vrai. C'est vrai, les gars, c'est écassé, c'est même plutôt chaotique. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je me donne les balles pour essayer de vous donner un autre rang 35, hein, vous avez bien compris. Mais c'est pas si simple, les frérots. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous à tous. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Il y aura d'autres épisodes, hein, ne vous inquiétez pas. Au moins qu'on valide le rang 31, qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien. Et puis le code Gaël, les gars, le code Gaël, là, le petit screen sympa, là. Voilà. On a envoyé le soutien à Gaël. Gros bisous à tous, en tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si vous voulez un épisode 2. À très bientôt. Et je fais de mon mieux, les frères. Hein. Voilà, je fais de mon mieux, même si c'est un peu compliqué. En tout cas, à très bientôt. Ciao, ciao.